voyons rien. Et c'est parti. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Allez, salut. Ils disent en gros, si je suis un gros débile, je dois pas faire les tests et je dois envoyer quelqu'un de plus intelligent. Bon, pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Mais bon, c'est les premières salles et elles doivent être faciles. Par contre, je sais pas ce que vont donner les suivantes. Boxon. Il n'y a pas que le boxon. Ouais, à mon avis, là, le ça vient du fait que les voix sont en anglais, mais le sous-titre est français. Donc là, à tous les coups, il doit avoir un texte en français. C'est ça, j'ai raison? Ouais, ouais, il me dit que j'ai raison. Voyons voir. La suite. Wow. Ah! You can't. Oh, brilliant! You did find a portal gun! Oh, do you know what? It just goes to show, people with brain damage are the real heroes in the end, aren't sympa, they? Sympa, vas-y, affile-toi. Brave. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. C'est parti. Okay, listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. Ah ouais. But we're out of options here. So get ready to catch me, all right, on the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. On three. Ready? One. Two. Three! That's high. It's too high, isn't it, really, that? All right, going on three just gives you too much time to think about it. Let's go on one this time. Okay, ready? One. Catch me, catch me, catch me, catch me! Ow! On peut pas le choper en fait. I ah, si. I'm not dead! I'm not dead! En fait, on peut pas Close le choper. Me to that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. Bizarre. You'll be impressed by this. Okay, go on, just jam me in over there. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Could you just turn around for a second? Mais, faut que je me retourne? Bon, d'accord. Après tout, il s'est pris un gros tube dans le... dans les... Bam! Secret panel! Got open while your back was turned. Pick me up, let's get out of here. And off we go. Look at this! No rail to tell us where to go! Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Just hold on though, where are we going? Bah, je sais rien, let me just get my bearings. Just follow the rail, actually. D'accord. Donc il dit qu'il est plus tributaire du rail en question et où est-ce qu'il faut aller? Bah faut suivre le rail. Là on est dans les sous-bassements d'Aperture Science. On est dans l'envers du décor. Ça doit être un tuyau pour ascenseur. Non, c'est pas pour ascenseur, sinon il serait pas courbé. Ça doit être pour les cubes. Vu qu'il est bouché de cubes. Oh, une tourelle. Oh no. Yes, hello, no, we're not stopping. Don't make contact, whatever you do. No, thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving. Elle est déglinguée parce que normalement le faisceau doit être droit. Enfin, il clignote pas. Et il me tire dessus à vue. Mais quand elles sont allongées, elles déconnent. Il faut vraiment qu'elles soient à la verticale. C'est quoi ça? M'emmènerait pas dans un piège œil bleu là, Whitley. Ah non, ça fait office d'ascenseur pour les temps de chargement. Ok. Probably to bring you up to speed on something right now. In order to escape, we're gonna have to go through her chamber, and she will probably kill us if she's awake. If you want to just call it quits, and we could just sit here forever, that's an option. Option A, sit here, do nothing. Option B, go through there, and if she's alive,
she'll almost certainly kill us. Tu veux dire qu'on va aller voir GLaDOS? So, if you've got any reservations, c'est pas un peu tôt pour GLaDOS? About this plan, now would be a tremendous time to do something. Eh ouais, on va voir GLaDOS. Je me souviens de ce tunnel qui mène à... In case you thought to yourself, I've missed the window of time to voice my reservations. Still open. Non, non, c'est bon, on y va. Ah, au fait, pour ceux qui se poseraient la question, maintenant j'estime, avant je l'avais pas, mais je me suis acheté Skyrim, et maintenant je suis sur Steam, mais pas en tant que Colino, mais Maître Colino, tout simplement parce que le pseudo Colino était déjà pris, donc faites pas l'erreur. Et vous dites, t'as joué à Portal 1, oui d'accord, mais Portal 1 je l'ai joué sur cet ordi aussi, sur l'ordi de mon ami, il m'a laissé jouer au jeu Portal disant, ouais il est super, voilà en effet il est super, il y a okay, un peu comme un super, je sais qu'elle est cinglée mais... Elle est déglinguée, tu vois, rien à craindre. There she is. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Ouais, oui, Do you know who ended up taking her down in the end? You're not going to believe this. A human. I know. Si, je le crois. I wouldn't have believed either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now. So that's pretty much the whole story. You're up to speed. Don't touch anyone. Ça, c'est la fin. Il y avait une petite passerelle pour accéder à GLaDOS. Donc ça, c'est la tête de GLaDOS. Ça, c'est une partie de son corps. Et en fait, on a envoyé des missiles qu'elle nous envoyait grâce au portail. On lui a renvoyé ses missiles et c'est comme ça qu'on l'a détruite. Quand elle se prenait des missiles, elle perdait une petite boule comme celle que je tiens actuellement. Et il fallait les foutre dans l'incinérateur là-bas. Voilà, ça c'est un tuyau pour incinérateur. Et il fallait, mettre le rond, la boule ici, créer un portail sur le mur qu'il y avait là, maintenant il n'y a plus de mur. Là-bas il y avait un petit promontoire avec un interrupteur, et il fallait appuyer sur l'interrupteur pour ouvrir ça, et générer un portail 2 en dessous de la boule pour l'envoyer dans l'incinérateur parce que l'ouverture était temporisée, donc on n'avait pas le temps d'appuyer sur le bouton, de revenir prendre la boule et la foutre dans l'incinérateur, donc il fallait faire ça au portail. Okay, down these stairs. Jump! This, actually, look at it, that is quite...